Good afternoon, 47. Your target is notorious magician and hypnotist Basil Carnaby. In the 1960s, Carnaby attracted the rebellious youth of London's upper class to his side with his own brand of pseudo-mysticism. He would then hypnotize them and order them to rob their wealthy families on his behalf. He stole millions entirely by proxy. By the time the police finally caught on, Carnaby had absconded to Nepal with a group of spiritualist pilgrims and subsequently disappeared. However, one of his old victims recently recognized a well-aged Carnaby doing a mentalist act for the locals on the streets of Mumbai. Having obtained a life of comfortable obscurity, it seems he just can't keep his hands out of other people's pockets. Good luck, 47. Hey, salut tout le monde, c'est Immortal et bienvenue dans Hitman 2 pour la folie des grandeurs. Donc à Bombay en Inde, il s'agit d'une affectation spéciale, d'ailleurs vous en avez une autre à Santa Fortuna en Colombie. Mais je vous laisserai le plaisir de découvrir cette cible tout seul. Voilà, donc en attendant, moi je vais vous montrer quelques défis à réaliser sur cette cible, dont le premier va être donc de débloquer tous les snipers assassins en recrue professionnelle et maître. Donc les défis sniper assassin, donc vous pouvez faire tous en une seule fois très très rapidement, voilà, sans vous faire repérer. Par contre, pas possibilité de d'abord l'assassin silencieux, mais il y a quand même d'autres façons de faire, c'est un petit peu plus long pour obtenir l'assassin silencieux. En attendant, moi je propose aux débutants une façon facile, rapide, efficace, d'avoir le sniper assassin en maître, voilà, en difficulté maître. Donc voilà, on se retrouve tout de suite, donc en jeu. Donc il suffit tout simplement en fait de se cacher derrière le véhicule. On reste accroupi, on sort donc le ghost amélioré. Et on zoome sur notre cible qui est tout simplement juste en face, vers le Porsche. Et on attend le moment fatidique. Et voilà, le tour est joué, donc corps troué bien entendu, mais par contre personne ne vous a repéré. Donc il suffit tout simplement de partir, tout simplement. Et comme je le disais, donc vous aurez un score de 4 étoiles au lieu de 5, pas assassin silencieux. Mais c'est pas grave, parce que ça vous empêche pas de gagner beaucoup de points en une seule fois. Pour ceux qui auraient encore un taux de maîtrise à Bombay, un taux de maîtrise assez faible. Donc c'est une bonne... C'est une bonne solution pour avoir des points rapidement. Mais bon, après, pas d'inquiétude, il y a moyen quand même d'avoir le sniper assassin. Ça peut être un petit peu plus long. Mais c'est faisable de le faire en assassin silencieux. Voilà. Alors ensuite, on va quand même d'abord parler en avance. Donc des prochains défis, donc le deuxième que je vous propose dans cette même vidéo, c'est donc de pousser notre ami dans le vide, donc de faire passer ça pour un accident. Et le troisième et dernier défi, ce sera de l'électrocuter. Voilà. Donc c'est parti, on se retrouve donc en jeu, on récupère des petits poissons, histoire d'avoir des petits items en plus qui pourraient nous servir soit pour neutraliser ou autre. Ensuite, là, on a le crochet qui est caché juste à proximité. Voilà, donc là on court en direction, donc en direction des appartements de notre cible pour retrouver la bande à Basil. La bande à Basil. Donc rappelez-vous, en temps normal, le point d'entrée principal se trouve donc à droite vers les taxis.
Et voilà notre monsieur qui vient de sortir du porche pour parler à la foule. That is Basil Carnaby, and it seems he's made himself quite at home here. Now I want you to close your eyes and imagine the color. Alors sachez qu'aussi il y a une petite intrigue amusante où on peut aussi, si vous voulez, parler à Basil et se faire extorquer de l'argent. Mais bon, voilà, j'en dis pas plus, mais en tout cas c'est assez croustillant, c'est assez amusant. Je vous laisserai découvrir ça. Je l'ai testé tout à l'heure et je peux vous dire que c'est assez marrant. Voilà, donc, on s'est infiltré dans les appartements de cette petite pépette qu'on s'est amusé, bien sûr, à assommer bien gentiment. Hein. Et donc, on va attirer un vigile dans la même pièce. Afin de le neutraliser également, histoire d'avoir le champ libre. Allez, tiens! Allez, on va te cacher à côté de la pépette. Allez, c'est parti. Alors, maintenant, on va juste attendre de choper le garde du corps de l'autre, Basil. Voilà, histoire de l'assommer et de se débarrasser de lui parce qu'il le colle, mais vraiment c'est à croire qu'ils sont très proches tous les deux tellement qu'ils le collent de près. Alors lui, on l'a tiré avec une première pièce, on lui en balance une deuxième et donc monsieur va aller se diriger vers la pièce. Allez, dépêche-toi, allez, va chercher la pièce, on se dépêche. Allez. Allez, tiens. Alors lui, je vais le tirer juste là. Ce qu'on va faire ensuite, on ramasse tout ce petit bordel. Et on va prendre son déguisement. Et voilà le travail. Donc là, tout simplement, on monte escalier, on se dépêche, parce qu'il n'y reste pas une heure non plus, on se dépêche de s'infiltrer dans les appartements. Alors faites gaffe quand même, parce que c'est aussi l'appartement d'un autre gars, il n'est pas tout le temps là. Allez, on réalise notre défi. Et voilà, c'était assez sympa quand même. Il est tombé comme un caca. Ah, bah alors, mais qui êtes-vous ? Et voilà, impeccable. Eh oui, mais bon, là, voilà, le mec s'est levé du fauteuil. Mais bon, comme on est habillé en garde du corps, de toute façon, ça passe très très bien. Donc voilà, mission terminée. Donc là, tout se passe très très bien. On n'a plus qu'à quitter les lieux tranquillement. Mais sûrement. Je vais partir par l'arrière. Pour être à proximité de la sortie. Et donc après, ce que je vais faire pour le troisième défi de cette vidéo, pour l'électrocuter, je vais utiliser, ah je vous le dis pas, allez on attend, mais c'est très très sympa en tout cas. Voilà, donc tous les défis de réussite, total 14 000 points d'XP, voilà, avec un petit score sympa, 6 minutes de temps.
Voilà. Donc là, du coup, j'ai gagné du temps, je suis déjà dans le jeu. Donc voilà, une fois déguisé, je m'infiltre de nouveau dans les appartements donc du petit monsieur. On va, ce qu'on va faire, histoire d'être tranquille, on va se débarrasser du mec dans le fauteuil. La mallette qui reste dans le fauteuil, c'est très drôle. Donc lui, on va le ranger dans la boîte. On prend la petite mallette. Et on va attendre gentiment que Basile revienne par ici. La bande à Basile. Bon, faut que j'arrête, moi. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire, toi? Qu'est-ce que tu décides de faire? Alors, on va poser le téléphone quelque part. Et moi, je vais peut-être me cacher là, peut-être. Voyons voir. Je me demande si je ne vais pas changer de place de téléphone quand même. Je suis pas sûr qu'il le voie directement ici. Ouais, je vais le changer de place. Voilà, je vais le mettre là. Et admirer le spectacle. Et voilà, défi réalisé. Oh, que c'était trop fandard. C'était excellent, excellent. Donc voilà un téléphone qui permet d'électrocuter une personne. Ça, c'est génial. Donc ça, bon, de toute façon, pour ceux qui auraient joué là récemment à la nouvelle destination de New York, on peut justement débloquer cet objet. En avançant avec le taux de maîtrise. Et voilà. Donc du coup, bah écoutez, voilà, la vidéo est presque terminée. Donc je vous ai montré du coup mes trois premiers défis. Parce que je vais vous en montrer trois autres. Voilà, donc d'ici quelques jours, vous aurez la deuxième et dernière vidéo donc de cette cible Basile Carnaby à Bombay en Inde. Pour ce qui est des autres défis, bah, je vous laisserai les trouver tout seul. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, ainsi que cette cible. Moi, en tout cas, je me suis bien amusé avec ce petit bonhomme. Et voilà. Notre copain 47 qui s'en va gentiment, comme si de rien n'était. Et voilà, excellent. Excellent, bah, je suis vraiment très très content. On a eu vraiment un chouette contenu récemment. C'est vraiment sympa. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite bonne chance pour la cible. Merci de partager, merci de commenter, merci de vous abonner. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour la deuxième vidéo. Et merci à tous. Allez, ciao.